Bienvenue pour un nouveau numéro d'En compagnie du Mont Blanc. Aujourd'hui, découverte de l'une des facettes de Mont Blanc Natural Resort, les Ouches. Un domaine qui bénéficie cette année d'un enneigement exceptionnel, le plus important depuis 4 ans. Les amateurs de glisse n'ont d'ailleurs pas laissé passer cette occasion de skier sur une neige de grande qualité. Le domaine des Ouches enregistre une augmentation de sa fréquentation de plus de 60% par rapport à l'année dernière. Une belle progression, grâce notamment à un pari gagnant, celui du repositionnement digital. Les nouvelles campagnes d'e-marketing plus ciblées ont permis aux clients de mieux connaître ce domaine et ses offres. Résultat, des centaines de milliers de vues sur le site internet et plus de 15 000 nouveaux skieurs qui ont acheté leur forfait journée ou séjour en ligne depuis le début de la saison. Acheter son forfait en ligne, c'est gagner du temps, grâce notamment aux nouveaux points de retrait de forfait via les pick-up bornes disponibles au départ du Prarion. D'autres points de vente sont également disponibles à l'office de tourisme et dans différents points de location et vente de matériel. Les Ouches, ce petit domaine skiable à l'entrée de la vallée de Chamonix, qui a tout d'un grand. Ce domaine est d'ailleurs le seul accessible par train, en téléphérique ou en télécabine. Par voie routière, on est desservi par l'autoroute où il y a juste la sortie à la sortie du village. Et si on veut un mode de transport plus propre, eh ben on peut prendre le tramway du Mont-Blanc qui part du Fayet, donc dans la vallée, et qui peut nous monter soit au col de Vose, soit au sommet du téléphérique de Bellevue. Le domaine des Ouches, c'est un peu le berceau du ski alpin, puisque le téléphérique a été construit en 1936. Donc c'est là que le ski alpin est né, au final, dans la vallée. Et c'est un domaine très familial, qui est accessible à tout le monde de par sa variété de pistes. Par exemple, on a la verte des Ouches avec l'épreuve mythique du Candard, donc qui est une coupe du monde de descente masculine. Pour les piétons, grâce à la télécabine du Prarion ou le téléphérique de Bellevue, il y a différents circuits raquettes pour qu'ils se promènent en fait sur le plateau du Prarion, là derrière nous. C'est un domaine que je vous encourage à venir découvrir. Comme vous pouvez le voir, on est au pied du massif du Mont-Blanc avec un panorama grandiose. C'est un point de vue exceptionnel et il y a peu d'autres stations qui ont ce point de vue sur le massif. Tous les chemins mènent aux Ouches. Le domaine accueille cet hiver ses premiers groupes de skieurs chinois. L'occasion pour ces professionnels du tourisme d'expérimenter le ski sur des zones adaptées. Ce sont les tour leaders de compagnies touristiques Youtour. C'est à eux qui va emmener les groupes chinois vers l'Europe. On connaît le tourisme et maintenant on veut connaître le ski. C'est la mode en ce moment. Quand on voit leur sourire, c'est évidemment, ils sont très contents. Le domaine des Ouches propose de nombreuses animations sur ces pistes, comme le Ski Movie Kandahar. Ce domaine familial propose également des activités ludiques, comme le Ski Camp. Mont Blanc Natural Resort met ses habits de printemps. Journée plus longue, température plus chaude et neige exceptionnelle. N'hésitez pas à venir découvrir les plaisirs de ce ski de printemps avec des offres exclusives, comme la journée pour un adulte à 37 € sur le domaine des Ouches, ou encore le forfait Mont Blanc Unlimited à 310 € pour 2 jours, pour 2 adultes et 2 jeunes, ou à 100 € pour 1 adulte. Le domaine des Ouches au cœur de Mont Blanc Natural Resort est ouvert jusqu'au 15 avril.